Ah, coucou! Bonsoir tout le monde. Bah, aujourd'hui, j'étais totalement occupée, donc je n'ai pas pu venir ici dans le groupe. Je vais le faire tout à l'heure, voir vos commentaires, voir vos publications, en espérant de découvrir plein de bonnes choses. J'ai mis cette image ici parce que je voudrais vous dire quelque chose sur le fait d'être une opportuniste. Il y a des situations dans la vie où c'est une très, très bonne approche. Moi, j'ai appris ça avec la danse orientale. Je vais te montrer une autre. Ça, ce sont mes élèves. C'était mes élèves. Wow, et c'était vraiment super, super chouette. Et voilà. Ici, la salle n'est peut-être pas très photo pas très jolie, mais tu vois aussi, ici, on est dans le cours. Et donc, en fait, ce que je veux te dire, c'est que. Et je vais t'expliquer pourquoi je le dis ici. Parce que j'ai eu hier, avant-hier, quelqu'un qui m'avait. J'ai parlé aujourd'hui aussi avec quelqu'un qui m'a dit: Ah, Gudrun, je n'osais même pas te contacter. Je me dis: Bon, je ne veux pas gaspiller son temps. Et je suis encore nulle part, etc. L'opportunisme, c'est que tu vois, quand tu prends un cours quelque part, moi, c'était ça. Je suis allée chez un gourou de la danse orientale à New York. Et j'étais débutante, et c'était heureusement que je ne le savais pas, mais c'était un cours pour professionnels. Et moi, je me suis cachée un peu derrière parce que je me dis, oh là là, je ne sais rien faire. Au fur et à mesure que ce stage se passait, j'ai compris que si je voulais apprendre, il fallait que je me mette devant. Et tu sais quoi, comment aussi moi, je me suis mis devant, pour la simple raison, pas parce que j'avais un courage extraordinaire, parce que je suis myope. Moi, je suis myope et j'aime pas mettre mes lunettes quand je danse. Donc, fallait que je regarde. Et j'ai compris comme ça que non seulement je vois évidemment mieux, mais je capte aussi les ondes du prof ou de la prof et je peux suivre tout ce qu'elle fait. Et vous savez ce qui fait ça vraiment à merveille? On voit ça dans les cours de danse des japonaises. Quand tu as une élève japonaise, ou quand tu vois les Japonais, comment ils fonctionnent, c'est incroyable la concentration qu'elles ont. Et donc ça, c'est pour moi une super recette pour saisir une occasion. Et tu as cette occasion ici, doublement. Premièrement, moi, je te prête mon temps, 30 minutes, pour jeter un peu un phare, comment on va dire, ma loupe, mettre un peu ma loupe sur ta idée de business, ton business, et aussi voir qu'est-ce que je vois comme potentiel chez toi. Je t'offre ce temps, profite-en. Sois très opportuniste. Tu t'en fous de tout. Ce que tu me connais pas, ou tu es timide, ou je ne sais pas quoi. Tu cliques sur le lien et tu prends ce rendez-vous avec moi. Parce que c'est important que tu puisses avoir un miroir, que tu puisses avoir quelqu'un d'autre. Et moi, je suis bienveillante. Et moi, je veux que toutes les femmes gagnent l'argent qu'elles méritent et vivent de leur passion. Parce que ça a changé ma vie. Et je ne voudrais plus jamais retourner là où j'étais avant. Je ne me rendais même pas compte du bonheur que c'est une vie comme maintenant. Oui, c'est du travail. Oui, il y a aussi parfois du stress. Comment est-ce que je vais faire pour gagner de l'argent, etc. Mais c'est incomparable. C'est une autre, c'est un monde différent. Hier, Sigrun, elle disait ça dans son webinaire que tu dois regarder. Tu dois regarder demain à 10 h. On fait ça ensemble, d'accord? Je vais faire un petit poll pour voir qui est inscrite et on va faire ça ensemble. Alors, l'autre chose pour laquelle il faut être une opportuniste, c'est Sigrun. Là, c'est un niveau tellement élevé. Qu'hier, quand j'étais. Demain, je regarde la masterclass une deuxième fois. Hier, je l'ai regardée. Et je me dis, waouh, cette femme. Quand est-ce que dans ma vie, j'aurai accès normalement à quelqu'un comme ça? Elle a été PDG de plusieurs entreprises et elle a sorti des entreprises du rouge. Et pour gagner un prix, je pense que c'est un an après, un prix de quelque chose, je ne sais plus quoi. Je crois que c'est une société islandaise. C'est quelqu'un qui sait de quoi elle parle. Elle a, je pense, 4 diplômes universitaires. Et une personne comme ça, j'allais dire, va s'abaisser. Elle ne s'abaisse pas. Ce qu'elle fait, elle tire les gens vers le haut. Elle est où elle est et elle te tire vers le haut. Et sois opportuniste. Va dans cette masterclass. Même si tu n'es pas sûr que ton anglais est assez bon, tu t'inscris. Demain, on se voit à 10 h dans cette masterclass. Hein? Si tu es au travail, tu te caches, tu prends ton téléphone, tu vas à la toilette ou je ne sais pas quoi. Tu dis que tu es un peu malade et au moins, tu t'éclipses pendant une demi-heure. Ne me dis pas que ce n'est pas possible, sauf si tu dois donner une conférence toi-même, etc. Mais c'est possible. Et donc,
Sigrun, elle nous tire vers le haut parce qu'elle a ce même désir que moi, cette même bienveillance et cette vision aussi. Elle a une vision où elle veut obtenir quelque chose pour nous les femmes et c'est précieux. Et donc, fais ça. Tu peux rentrer dans cette masterclass. Tu es totalement invisible, tu n'es pas obligé d'écrire et participer. Et si tu dis « je ne comprends rien » et si tu ressors ni vu, ni connu, et profite, sois opportuniste, mets-toi au premier rang virtuellement, tu es toujours au premier rang, et absorbe, note, télécharge son worksheet. Et alors, c'est bon. Et alors, toi, tu peux en profiter. Donc, j'espère que tout le monde est une super opportuniste là maintenant. Et je vais mettre une deuxième vidéo ici sur la Summer School, s'il te plaît, regarde là. Ça c'est comment on dit ça, c'est je sais pas comment on dit ça en français, mais c'est incroyable. OK. Je vous souhaite une bonne soirée. J'espère vous lire ici beaucoup, que vous me racontez où vous en êtes, qu'on se mutuellement on se parle, et il y a aucune idée qui est trop bête ou aucune personne qui est pas assez loin. Oui, si tu as une idée, si tu sais juste ce que tu aimes faire, tu es au bon endroit ici. Parce que, en fait, tu es ici parce que tu as un rêve. Et c'est ça qui nous intéresse. Et c'est ça que je veux nourrir chez toi. Et on va voir si je le nourris bien. Et si on fait la même chose, on nourrit ce rêve. On nourrit ce rêve pour que tu aies la force de le réaliser. On nourrit ton rêve, on t'aide à rêver avec toi. Et ça, c'est beau. Et c'est ça qui va t'aider, vraiment. Tu vas avoir la force d'y croire et de commencer à marcher. Et si tu es sur ce chemin déjà, la prochaine étape, c'est d'avoir plein de clients. Et la prochaine étape, c'est de gagner et avoir une liberté financière. Voilà. Après, il y a des étapes tout plein. Bon, bisous, bonne soirée.